知りたい？何があったのか。Salut à tous les animévores et bienvenue dans ce Bycast Mini. J'espère que vous allez bien, que vous goinfrez d'animé. En tout cas, moi c'est le cas et Yumi Zugi aussi. Tiens, présente-toi poteau. Salut Phil, salut les animévores aussi. Donc moi c'est Yumi Zugi. Pour ceux qui regardent la fin des génériques, vous m'avez sûrement peut-être vu sur certains crédits. Notamment les bacs animes surtout. Voilà, donc je faisais un peu la rédaction et c'est la première fois que je me mets devant la caméra. Donc c'est pour ça que le cadre est un peu plus rempli. D'intelligence. Oui, bien sûr. Et effectivement aussi, il a fait les effets spéciaux des derniers Bacanim, donc de Cobra, même de Dragon Ball. Hein. Ah oui, le premier en plus. Grâce à toi, je me suis transformé en super guerrier. Ouais. Ou enfin, pendant des heures, j'ai vu le caleçon de Phil. Voilà. En tout cas, je suis très content que ce soit ta première émission là, avec moi. Comme ça, en plus, c'est pour un film qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Oui. Donc, Anna et Alice, qui va sortir le 11 mai au cinéma. Film d'animation, s'il en est. Oui, ça, on reparlera aussi. Voilà, et surtout de Shunji Iwai, un grand réalisateur de films live qui, en fait, est dans la sphère des potes d'auteurs d'animation comme Hideaki Anno, Katsuhiro Ishii. Et du coup, c'est très important de revenir sur son cinéma, à ce mec. Et après, bien entendu, on va vous parler de Anna et Alice mène l'enquête, le film. Comment j'ai envie de rentrer chez moi. Hé, dis donc toi, c'est quoi cette réaction? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Quoi? T'as un problème avec ma mère ou quoi? Hein? Elle est où? Vas-y, fais pas semblant. Oh, c'est incroyable. Elle est pire que la mienne. Alors, Shunji Iwai fait partie de ces réalisateurs qui ont émergé dans les années 90 et qu'on a eu beaucoup en France, comme Kitano ou Takashi Miike pour le genre, tu sais, plutôt. Les films de gangsters et tout, ou alors même Shinji Aoyama ou même Naomi Kawase qui avait été plus axé dans le cinéma d'auteur comme Kore-eda. Oui. Sauf que lui, on l'a jamais eu en France. Alors que tous les autres, on les a eu, sans problème. Jamais eu, on a eu. Ah oui, on a eu Love Letter dans une toute petite sortie chez Asian Star il y a quelques avec années. Avec quand même quelques petites années de retard. Oui, ouais, plus de 15 ans de retard. Il avait fait donc Love Letter, un film romantique magnifique. Mais alors là. Sublime, un vrai triangle amoureux, mais avec la particularité que l'un des éléments essentiels de ce triangle... Il n'y est pas. Ouais, il n'y est pas. Voilà. Il y a un côté un peu mélancolique qui est dingue. Et pour moi, c'est l'une des meilleures romances que j'ai jamais vues. Ah mais, oui, mais clairement, le film est sublime. Je ne mâche pas mes mots, les amis. Hein. Franchement. Un long métrage qui a cartonné dans toute l'Asie. Dans toute l'Asie, exactement. C'était même peut-être le premier film qui a ouvert le chemin à l'exportation du cinéma japonais en Corée. Ah ouais? En Corée du Sud, oui. Et en fait, ça peut se comprendre dans l'idée où tu as un vrai esprit de drama dans ce film. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les Coréens, ils sont experts dans les dramas aussi. Même. Et ça a été un vrai carton. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, je crois que le film fait encore partie du box-office coréen, en fait. C'est incroyable. Bah, c'est bien. Hein. C'est comme nous, Goldorak, en France. Hein, tout le monde en parle, mais au Japon, tout le monde s'en bat. No comment. D'ailleurs, j'ai fait même un petit court-métrage en hommage à ce film qui s'appelle Magnétisme. Je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai le moi, je savais pas. Tiens. Ah bah... Tu me diras ce que t'en penses. Oh, maintenant j'ai la pression. Non, vraiment un très grand film qui fait à peu près 2 heures. Enfin, il est balèze. Très, très beau. Et donc voilà, ça c'est vraiment un problème. Mais je pense qu'il était. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas. Il n'est pas venu en France. Je sais pas. Peut-être parce qu'il est ni dans le genre, ni dans le film d'auteur. Il est vraiment dans l'entre-deux. Qu'il se rapproche énormément, effectivement, moi je pense, de tout ce qui est culture otaku, manga. Et que les gens, ils ont peut-être eu peur d'éditer quelqu'un comme ça, alors que la jeunesse veut plutôt se faire des mangas, des animés. Donc j'en sais rien, vraiment, je comprends pas, alors que ce mec est génial, je comprends vraiment pas. Attends, il avait fait un super court-métrage sur les feux d'artifice, où c'est des enfants en fait, hein, c'est vraiment des enfants de primaire qui sont à la campagne et voilà, qui ont leurs propres problèmes, qui sont mineurs pour nous ou pas. Et c'est vraiment beau, c'est sensible comme tu le dis. Après, et voilà, il va toujours dans un aspect plutôt léger de la société, donc l'adolescence, avec un côté romantique, avec une envie
oui, faire s'évader les personnages. J'ai envie presque de dire que ces films, enfin, toute son œuvre, fait un pont entre l'adolescence et l'âge adulte. Ouais, voilà, et quand je dis un pont, c'est-à-dire que ça va de l'âge adulte dans un sens comme à l'autre, en fait. Mec, le manga, c'est ça. C'est ça. Puis Matsumoto, c'est ça. Tezuka, voilà. C'est ça. Mais par contre, ça. Malgré cette légèreté, il évite pas du tout les sujets très durs de... qui touchent la société. Que ce soit... j'ai envie de dire les hikikomori, ouais. Que ça soit le harcèlement à l'école, ce sont des sujets qui sont importants parce qu'ils touchent réellement les adolescents, mais ils ne sont pas évités dans ces films. Ils sont vus d'une autre façon, j'ai envie de dire. Et comme c'est du live, ouais, je pense que ça peut paraître un petit peu plus incisif, un peu plus glauque. Parce qu'on est très proche de la réalité, comme All About Lily Chichi, Lily Chouchou plutôt, oui. Qui revient sur l'isolation d'un adolescent, oui. qui vraiment subit son quotidien, mais par contre qui arrive à se créer une communauté via Internet, oui. Via un amour qu'il voue pour une idole. Enfin, c'est ça, les idoles, ça revient beaucoup. Que ce soit, il a réalisé des clips pour beaucoup d'idoles, il a mis dans son casting... des idoles qu'il aimait beaucoup, voilà, et j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'important dans sa filmographie, mais pas que, je veux dire, quand on parle de Swallowtail. Once upon a time, when the yen was the most powerful force in the world, the city overflowed with immigrants like a cold rush from town, and immigrants called the city Yen Town. But the Japanese hated the name, so they referred to those yen thieves as Yentowns. And this is the story of Yentowns in Yentown. Ouais, Swallowtail Butterfly. Fouf. Exactement. Bon, c'est son parrain. C'est sa fresque. Non, mais clairement, c'est sa fresque. Et vas-y, explique si tu veux un peu de quoi ça parle, parce que là, c'est important d'en parler de ce film. En gros, le background du film, c'est que c'est un peu... c'est un futur proche, oui. Dans lequel le yen est devenu la monnaie la plus forte au monde, c'est-à-dire l'équivalent de l'euro ou du dollar. Mmh. Voilà. Mais qui aurait vraiment tout écrasé. Quoi, exactement, voilà, c'est la monnaie mondiale. Et étant donné que le Japon, voilà, est, on va dire, pas très émigration, je veux dire, leur côté robotique et tout, c'est pas pour faire jouer. Vous avez quand même un pays avec 2% d'émigration. C'est ça. C'est pas grand-chose. Je veux dire, la robotique dans le Japon et tout, c'est pas pour faire joli, mais c'est surtout pour éviter l'émigration. Voilà, dans cette œuvre, j'ai envie de dire, donc il y a une vague d'immigration qui arrive au Japon. Du fait de la croissance de la monnaie. Exactement. Mmh. Et l'histoire raconte tous les méandres que vont vivre une communauté de migrants dans un Japon qui ne veut pas d'eux, en fait. Donc, ils sont obligés de vivre de larcin, de... Oui, parce qu'en fait, ils sont dans une sorte de, oui. de bidonville, mais bitumé, quoi. Voilà, bitumé. Les bas-fonds. Yentown, c'est ça ? Yentown, effectivement. Et bah voilà, ils ont carrément créé un nom pour ces gens-là. C'est un peu la soif de l'or. Les mecs, ils se sont vautrés arrivés au Japon. Et on suit effectivement une petite fille, donc une adolescente, qui va... Le fil rouge du film. Voilà, qui va rentrer dans un groupe... Donc, qui va vouloir s'expanser avec différents larcins. Et c'est assez intéressant parce que, tu vois, moi, j'y retrouve vraiment les codes du manga. L'adolescent qui rentre dans un groupe avec dans un vaisseau, par exemple, avec un commandant et tout, les différents potes. Et je trouve vraiment qu'il y a cette trame. C'est pas pour ça qu'il est très attaché aussi, à ça. Gravite autour d'une... Oui. Voilà, justement, à peu près dans cette époque-là, il avait fait le premier rôle... pour Shikijitsu, donc le long métrage en live de Hideaki Anno qui avait fait Evangelion. Nous en parle aussi dans l'interview, il nous explique comment ça s'est passé, c'était vraiment sympa. Sachant qu'aussi, ça aussi, c'est une des anomalies. Des anomalies du CV du monsieur, parce que c'est son seul rôle d'acteur. Ah, parce que c'est pas un acteur. Voilà, il est plus dans l'écriture et dans la réalisation, mais là, il se retrouve devant la caméra plutôt. C'était le premier film live de Love and Pop, il l'a fait après, Anno, je crois. Je crois, je ne sais plus. Enfin, vous vérifierez. C'est un film assez intéressant. Après, il a fait d'autres films. C'est l'inverse. Love and Pop avant. Ouais. Alors, c'est le deuxième film de Anno en live, parce qu'avant ça, il avait fait Love and Pop. Qui parlait de la jeunesse, qui se prostituait. Oui, adaptation du roman. Dans le live, tout paraît beaucoup plus glauque. T'as vu ? Dès qu'on parle de la jeunesse, bien sûr. All About Lily Chouchou,
on voit un mec plutôt renfermé. Dans le live, Love and Pop... Sachant que Love and Pop, c'est une adaptation du roman de Murakami. Donc, ceux qui ont pu lire Murakami sachent que c'est un univers très, très glauque, ouais. Très, très noir. Ça parle beaucoup de sexe, de violence, de jeunesse, de... Et très bien, Murakami, pour appréhender justement ce côté populaire japonais moderne, parce qu'il n'est pas complexe à lire. Très clair, en fait. Voilà, vous pouvez commencer par, si vous voulez un truc un peu plus soft pour commencer sur Murakami, vous pouvez aller sur Kyoko, mais après, un bleu presque transparent. Kyoko, j'aimerais beaucoup le lire. Ah oui, et le film aussi. Il y a un film live de Kyoko, réalisé par l'auteur lui-même. Murakami avait aussi fait Tokyo Décadence. Ouais. Pour revenir à Iwai, il a fait plein d'autres films, bien entendu, on va pas revenir sur tous, mais voilà, c'est un réalisateur important. Bon, et en 2004, il réalise Anna et Alice, donc le film live, qui revient sur justement les deux protagonistes qui sont très très potes. Du film qui nous intéresse. Grands amis, voilà. Oui, voilà. En fait, c'est quand même un film plutôt léger. Oui, c'est carrément une comédie. Je le classerais dans les comédies. Mais, toujours un peu dramatique, hein, bien entendu. Oui, mais ça n'évite pas les sujets durs de l'adolescence, de la jeunesse, de la société japonaise. Je veux dire, mais ça reste une comédie. Ça reste très, très léger à regarder. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce film, hein, clairement. Et du coup, 10 ans après, il peut faire enfin le préquel qu'il voulait faire de suite après avoir réalisé le live. Sachant que là, il y a quand même... 11 ans qui sont passés entre Anna et Alice, donc la première version, et ce préquel. Donc pas possible de... Mais de... Tu vois, moi je sens que c'est comme s'il avait fait à l'époque. J'ai pas l'impression qu'il y a un gap. Voilà, c'est pour ça que moi je vous conseille réellement de regarder le premier film avant de regarder le film qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, mais c'est vrai qu'on sent pas la coupure, clairement. On sent pas la coupure. Même si le film, je veux dire, c'est bizarre de parler d'une suite alors que c'est un préquel. 10 ans après et en animation. En animation. C'est bizarre de dire ça, mais la sensibilité est la même. Les personnages sont, j'ai envie de dire... Dans la suite logique, enfin dans la préquel logique. Bon, exactement, hein. Exactement. C'est exactement ça. Allez, on va en parler tout de suite. Sale petite curieuse. Moi aussi, je vais t'espionner. La voilà, je te vois. Alors, Anna et Alice mènent l'enquête. C'est donc le préquel du film de 2004 où justement Anna et Alice se rencontrent. Donc Alice arrive dans le lycée et puis il y a un événement bizarre qui s'est passé. Oui. Elle va mener son enquête et justement ça va la conduire à Anna qui est recluse chez elle. C'est une hikikomori. J'ai envie de dire, ouais. Renfermée chez elle. Encore un sujet important au Japon. De la société japonaise, encore. Malgré que le film reste une comédie, ça ne l'évite pas. Mais comme c'est de l'animation, c'est quand même beaucoup moins glauque que dans le Holobot Lili Chouchou. Bien sûr. Parce que l'animation est plus claire, tu prends beaucoup plus de recul, je pense. Déjà, tu as un personnage féminin, tu as des personnages assez intéressants, mais voilà, pour résumer le film, ça ne l'évite pas. Ouais. Effectivement. Alors du coup, le film a été réalisé en rotoscopie. Donc est-ce que tu veux expliquer ce que c'est, un petit peu? Alors la rotoscopie, c'est en gros une technique d'animation qui consiste à filmer des vrais acteurs devant la caméra et après, en post-prod, redessiner sur les mouvements des acteurs une animation. Grosso modo, c'est ça. Oui. Alors vous avez plein de niveaux de rotoscopie. Il y a la rotoscopie telle quelle, avec un filtre brut qu'on vous met sur un logiciel. Comme de dans Baton. Comme dans Baton, maintenant, s'il y avait des plans retouchés. Comme Scanner Darkly. Ah oui, Scanner Darkly, exactement. Robert Downey Jr. Ça, c'est vraiment de la rotoscopie brute. On filme, il y a le film et il y a un filtre dessus, bam. Voilà. Je pense que les images ont été retouchées ici et là, mais... voilà. Sinon, vous avez la rotoscopie qui est beaucoup plus cachée, que dans Disney, on voit beaucoup. Bon, depuis le début de Disney, il y a toujours eu de la rotoscopie. Je veux dire, on parle de
Blanche-Neige, dans Blanche-Neige, les scènes de danse, la scène où elle est avec le prince, c'est des scènes en rotoscopie. Voilà. On le voit parce que c'est les mouvements qui sont vraiment très lents, plus gracieux. Hein. C'est, ça aide en animation, en fluidité quand c'est des mouvements assez lents. Et vous avez sinon la rotoscopie la plus infecte, souvent utilisée par Ralph Bakshi, notamment dans le film d'animation Le Seigneur des Anneaux. Oui, oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, où dedans, par exemple, il y avait les Nazgûl qui étaient à cheval, qui couraient. En fait, c'est juste des mecs filmés en plein dans un dessin animé au design tout arrondi. Tu vois des vraies images avec un filtre dégueu. La rotoscopie n'a jamais été une technique qui a, on va dire, qui a redoré le blason de l'animation. C'est non. Plutôt. Voilà, c'est pour ça que quand vous voyez dans les films Pixar ou les films en 3D, je veux dire, c'est toujours dit sans capture de mouvement, ce genre de truc. C'est comme si c'était une valeur sûre quand on parle de création totale, en fait. Voilà, ouais. C'est ça. Parce que la rotoscopie. On n'a pas triché. Voilà, la rotoscopie, c'est plus un raccourci plus qu'autre chose. Mais voilà, ce n'est pas une technique que les fans d'animation apprécie, j'ai envie de dire. Alors du coup, est-ce que ça passe dans le cas de Anna et Alice, pour toi? Parce que là, on est vraiment dans une technique alors un peu plus évoluée, c'est-à-dire qu'on filme et on redessine, voilà, par-dessus. Sachant qu'il y a même une directrice d'animation qui redessine sur tous les plans. Et tout. Ça se voit de toutes les façons à l'introduction du film. Et même EY qui dessine et qui avait fait d'ailleurs un manga, j'ai appris ça récemment, de Anna et Alice après le film. EY retouche tous les plans lui-même. Oui. Donc, alors que ce n'est pas un dessinateur professionnel. Ça, c'est plutôt cool. Ça donne un côté de proximité intéressant avec le réalisateur. Oui, non, mais c'est ça, je vous avoue, nous, on l'a découvert pendant l'interview, hein, quand on en a parlé, et on était vraiment très agréablement surpris. Alors, vas-y, dis-moi ce que tu en penses de cette rotoscopie sur le film. Alors déjà, on explique la technique qui est utilisée dans le film pour bien expliquer. Donc, c'est de la rotoscopie, mais en plus avec des personnages en CGI. Alors, moi, étant un peu extrémiste sur ce genre de choses, je n'aime pas les CGI et je n'aime pas la rotoscopie. Mais j'ai envie de dire que dans le cas de Anna et Alice mènent l'enquête, je comprends pourquoi la finalité de cette technique. Je veux dire, il y a 10 ans qu'ils ont passé entre le premier film et celui-là, les acteurs sont devenus plus vieux, on ne peut pas les remettre sur l'écran. Ah, on n'est pas dans un film hollywoodien, voilà, c'est pas des acteurs de 35 ans qui font des adolescents. Hein. C'est exactement ça. La finalité technique, on la comprend. Voilà. Mais pendant l'interview, je pense que vous pourrez la regarder juste après, mais moi j'ai compris autre chose en interviewant M. EY, c'est qu'il se considère comme étant avant tout un réalisateur de live. D'accord. Donc il ne se voit pas faire ses films autrement qu'avec des acteurs et diriger ses acteurs devant la caméra. C'est voilà. Exactement ça. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la technique est justifiée. Alors, du coup, ça fait un peu un mix entre cinéma d'animation et cinéma live. Oui, c'est un pont entre les deux. Mais... Ouais, mais là, comme c'est sur tout un film, c'est pas juste un petit séquence, c'est pas du Sakuga ou quoi que ce soit. Est-ce que ça fait pas quelque chose un peu méta ou de nouveau au final? Parce nouveau, que... oui, certainement. Je veux dire, des films en rotoscopie, on en a vu. Rarement, oui, non, bien sûr, mais là, on en a vu. Avec un tel travail, voilà. Avec un rapport avec le live, parce qu'il y a eu le live avant. Et ce bien qui sûr. Est important avec ce film d'animation, c'est que quand on a déjà vu le live auparavant, on revoit les mêmes mouvements des personnages, on revoit les mêmes mimiques des personnages. C'est assez surprenant même. Et on se dit, mais voilà, c'est pour ça qu'il voulait faire de la rotoscopie, ouais. Parce qu'il a repris ses actrices, elles étaient dans le personnage, c'était elles, le personnage, qu'ils n'auraient pas pu faire, et des animateurs. Et je suis d'accord avec toi, ça c'est sachant que c'est encore d'autant plus couillu, j'ai envie de dire, de donc la part... Donc il l'est, hein, il est vraiment couillu, mec, j'ai envie de dire, ça résume vraiment la carrière de Monsieur Wu. C'est que... Le mec gravite quand même autour de Anno, d'autres réalisateurs d'animation, il gravite tout autour du studio Gainax, ouais. Qui dit Gainax des Trigger, donc du coup, voilà, il aurait pu facilement faire un film d'animation traditionnel. Ouais, mais voilà, mais c'est pas un professionnel là-dedans, c'est ça. Il faut parler à une centaine d'équipes qui travaillent sur ton projet. En tout cas, moi je pense que c'est très dur à rentrer dans le film, parce qu'on n'est pas habitué à une telle animation, c'est... Vous avez même trouvé des plans larges, enfin des plans serrés assez laids, parce que c'est dur la rotoscopie, ça vous fait des grands traits, oui. C'est pas net, enfin voilà, il y a une sorte de petit malaise qui s'installe au début du film, et puis
C'est-à-dire sur les 10 premières minutes du film. Oui, voilà, exactement. Je veux dire, moi, j'ai été assez surpris. Après, vous laissez porter. J'ai été surpris assez sur l'introduction, voilà, du film. Mais après, une fois que les personnages commencent à avoir du temps de parole, j'ai envie de dire, ça passe tout seul, en fait. Oui, ouais. Et alors par contre, il n'est pas tombé dans le piège en se disant tiens, je vais faire un film d'animation, donc je me lâche un petit peu plus dans la mise en scène ou même dans l'histoire, je vais partir sur un truc extrêmement fantastique et tout. Non, pas du tout. On a l'impression vraiment que c'est un film live. Hein. C'est ça. Et oui. Que la seule barrière du fait de l'avoir fait en animation, c'est que les actrices, elles ont vieilli et qu'en plus, il voulait évoluer son style, c'est-à-dire que. Au moins avec la rotoscopie, il peut redessiner les mouvements, il peut redessiner des expressions et surtout aussi les vêtements, comme il explique dans l'interview. Et du coup, je me dis que c'est essayer d'upgrader son propre cinéma. C'est intéressant. Alors, il y en a beaucoup, je pense, qui vont râler, surtout en France, on n'aime pas du tout la rotoscopie. Bien sûr, oui. Mais je ne sais pas qui vraiment l'aime en soi. Mais quand on a vu le premier film, c'est vrai que je pense que ça prend tout son sens. Quand on arrive de but en blanc comme ça devant ce film, on se dit, on peut se dire, je pense que on est né à né avec un shoujo classique. Ouais. Je pense que ça peut faire peur. Je veux dire un shoujo classique, j'ai envie de dire non. C'est pas, ah non, ça ne l'est pas. Non, mais c'est clairement pas un shoujo classique. Dans l'appréhension, mais, j'entends. Voilà, dans l'appréhension de la technique, j'ai envie de dire, elle est tout à fait compréhensible. Mais c'est pour ça que je le dis, je le répète. Par tous les moyens, regardez le premier film. Ouais, si parce c'est que possible. C'est. Voilà, allez le voir. Le problème, c'est que rien n'est édité, à part Love Letter, qui est une édition très minime en France. Mais le DVD est disponible aux US. Oui, bien sûr. Ah. Bah, tout la filmo de UI, hein, je crois, est dispo. En coffret, avec un coffret. Et vraiment, allez-y, foncez sur ce réalisateur, il est génial. Anna et Alice, il faut promouvoir un tel cinéma, c'est bien. C'est couillu. C'est couillu, voilà, le mot de l'émission. C'est couille. Original. Effectivement, on peut ne pas aimer la technique, mais l'histoire, elle est toujours touchante. Les personnages sont vraiment sensibles. J'ai envie de dire. Très forts. Et on est vraiment impliqué avec eux. Et c'est ça l'intérêt de UI, c'est que il implique vraiment son spectateur dans des groupes. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas vu le premier film, du coup, il y a des petits personnages, des seconds rôles, qui font juste une petite apparition, limite un caméo, qui, en fait, que vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas vu l'autre. C'est triste à dire, hein. Ça se regarde très bien sans avoir vu le live, mais vous manquerez quelque chose. Ça se regarde encore mieux que vous avez regardé le live, en fait. Ouais, c'est logique, hein. C'est comme un 2, voilà. C'est... Ouais. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça m'a surpris d'avoir autant aimé un film comme ça en rotoscopie. En rotoscopie, non, mais, c'est surtout ça. Non, mais clairement, quand il nous a sorti les premières bandes annonces, j'ai peur. Moi, la première bande annonce, j'avais aimé. Là. Il y avait un plan fichaille avec. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais une fois que j'ai commencé à voir les vrais trailers, je me suis dit non, c'est pas un film pour moi, clairement. Et pourtant, il y a. Voilà. Pourtant, j'ai kiffé. Ça s'inscrit vraiment dans la continuité de Shunji Iwai. Ouais. Et si je pense que Anna et Alice était son film le plus léger. Ben justement, il est complémentarisé. Je suis allé dans Géon, moi. Il le complète très bien avec le préquel. Et voilà, moi, je suis vraiment un fan, mais éperdument amoureux de ce réalisateur. Quand je l'ai interviewé, j'étais aux anges. Vous verrez les photos en plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le soutenir. Allez, les amis, je vous dis salut à tous. À très bientôt, Yomi. Ciao, à une prochaine. C'est bien ? Ouais, c'est bien. Oh, non ! Mec, je sens plus ma jambe.